負けんぞ。 行くぞ。 よし、行くぞ。 Hey les amis, c'est Letko, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Captain Tsubasa 0, après la vidéo hier Invocation, aujourd'hui vidéo News, je vous l'avais dit, on a été teasé sur la trio de la Shuetsu, et ben ils sont là, mais ils sont pas là en mode free to play, il y en avait plein qui disaient ouais on va les farmer et tout ça, non. Par contre on a un autre joueur de la Shuetsu à farmer, on va voir ça tout de suite derrière. Alors nouveau portail, donc on a... Taki, Izawa, et alors attendez, on va voir, j'oublie toujours son nom à lui, Kisugi, voilà, tout simplement, TP Kisugi. Donc voilà, donc des joueurs qui ont l'air quand même assez sympa, ils sont pas dégueux. Par contre Kisugi va, Kisugi va falloir peut-être récupérer le tir X que j'ai récupéré grâce à mon ticket bonus. Les tickets bonus 3 étoiles garantis, j'ai récupéré. Donc c'est le tir combo X, je crois. Ok, donc Izawa. On va commencer par lui. Donc vert, milieu, forcément. Tous les stats des joueurs de la sélection du Japon, plus 10%. Donc c'est assez fort. Pour tous les stats des joueurs milieu, milieu et défenseur, plus 5%. Et son passif. Il prend 15% de boost sur sa technique de tacle, parce qu'il a un tacle du soldat qui s'appelle Soldat X. Il prend 15% pour chaque joueur de Shuetsu Trio. D'accord. Donc je pense qu'il faut que les trois soient là. Donc en fait, il prend 5% par joueur. Donc il, déjà, quand il est tout seul, il prend 5%. Si Kisugi est là, 10%. Et si Taki est là, 15%. Donc après, je sais pas si il faut les joueurs Junior Youth ou les joueurs Shuetsu ou Nenketsu. Donc je sais pas. Kisugi. Donc même passif, hein, sauf pour sa technique de dribble, parce que bon, lui vaut mieux un dribble. Pourquoi pas. Donc lui donne à tous les joueurs du Japon Junior 10% et tous les attaquants 5%. Taki rouge, bon, j'ai oublié de dire, il est bleu le Kisugi, et le Taki est rouge attaquant, donc même pas milieu, c'est lui, il est vraiment attaquant, donc plus dans une attaque à 3 sur un côté, donc lui 10% et il donne à tous les attaquants et milieu 5% et il prend 15% sur sa technique de tir. Donc voilà, donc à chaque invocation vous gagnez des tickets bonus, les tickets violets qui vous donne ensuite, quand vous en avez 50, ça vous donne une single 3 étoiles garantie. Donc on va pas récapituler. Donc voilà, donc le tag du soldat qui compte jusqu'à 7800, très fort, 52 452, donc comme je vous ai dit, c'est pas dégueu. Après, si vous pouvez récupérer une passe, ce serait pas trop mal. Bon, après j'ai pas la liste, malheureusement on n'a pas les cartes des joueurs. Tu les as que quand tu drops le joueur. Donc lui 7730 pour son dribble contrôlé. Et vu que maintenant sur le jeu il n'y a plus de restrictions, ouais, il faut mettre que des passes ou que des tirs. Donc maintenant vous modélez votre joueur comme vous voulez. Donc moi j'ai le Kisugi, comme je vous ai dit, qui donne la frappe. Donc 52463 en puissance max totale. C'est pas dégueu. Franchement c'est pas dégueu. 52463. Attendez, juste regarder un petit truc. Non, c'est pas la même chose. 52445. Donc, il se ressemble beaucoup hein, dans la puissance. Il se ressemble assez. Donc, lui, il a une tête plongeante qui monte à 7780 en tout. Quand vous l'avez maxé, déchaînement et tout. Donc, ok. Donc, c'est pas des mauvais joueurs. Mais malheureusement, j'ai l'impression qu'il faut vraiment avoir les trois pour être bien. Voilà, il faut vraiment avoir les trois. Moi, je pense pas que le portail vaut le coup de tuer ces Dream Ball, je pense pas. Vaut mieux, si vous restez des Dream Ball, vaut mieux, je pense, continuer à... Enfin, des Dream Ball, des gemmes, pour essayer d'aller chercher les Allemands. Les Allemands sont beaucoup plus sexy. Voilà. Et là, vous avez les tickets bonus, comme je vous dis, j'en ai 39. Donc, si je fais une multi sur le portail
Japon, bah, j'ai ma single gratuite. D'ailleurs, c'est ici que j'ai eu le Kisugi. Je veux vous montrer tout de suite. Hop. J'étais dégoûté parce que quand je l'ai eu, j'étais dégoûté. Je vais vous le trouver. Mon Kisugi, il est où? Alors. J'ai pas eu le temps de monter le Mizugi. Je sais pas si c'est un collège. Hein, hop. Collège, ouais. Alors, où est-ce qu'il est le Kisugi 3 étoiles que j'ai? Il est là. Hop. Donc voilà. Attendez, technique. Voilà. Frappe direct combo. Ex. Donc elle est à 1860 de base. Donc voilà. Donc si je le drop, bah, je sais ce que je vais faire de lui. Je lui fais la frappe. Ensuite. Actualité. Ensuite. On a un nouveau joueur à farmer, mais ça on verra juste derrière. On a l'anniversaire, troisième partie. En deux phases. Donc l'anniversaire, c'est les trolls de la Chouetsu en version Junior Youth. Donc c'est ça. Et la quatrième partie, ça sera le 30. Donc le sort entre guillemets, une sorte de Dream Fest. Je pense qu'il vaut mieux garder ces gemmes. En tout cas, moi je les tuerai pas. Donc comme je vous ai expliqué, il y a un nouveau joueur à farmer, vous connaissez le principe, vous prenez les jetons, et je crois qu'au bout de... Je crois c'est... Je sais pas si c'est 120 ou 90 pour le débloquer. Ça va vous donner des jetons Takatsugi. Alors, hop, échange. Donc il y a des pièces premier anniversaire, donc pour ceux qui veulent des pièces premier anniversaire, il y en a 10 à récupérer. Non, attendez. 200. Je crois qu'il y en a 20 alors. Non, excusez-moi. Il y en a 20 à récupérer. Vous avez aussi 10 tickets. 10 tickets. 10 tickets SR. Et après, vous avez le tacle à récupérer. Vous avez le tacle ex, vous avez le tacle normal. Vous avez des ballons d'échaînement. Vous avez des évolutions, etc., etc. Donc, vous connaissez le principe comme les Tachibana. Sawada et on avait qui encore, j'ai oublié, le Ishizaki. Donc voilà, donc à farmer hein, les amis, et voilà, jetons de premier anniversaire. Ensuite quand vous avez vos jetons, moi il m'en reste plus que deux, donc il me faut 100 jetons pour avoir les deux derniers tickets, pour avoir la dernière multi 3 étoiles garanties sur tous les joueurs, toujours sur garantie. Donc c'est aller chercher. Donc là j'ai des drapeaux. J'en ai 3560, donc je vais voir qu'est-ce que je vais en faire. Pour l'instant, je prends mon temps, tranquille. Je me presse pas. Et voilà. Donc malheureusement, on n'a pas le. Malheureusement, on n'a pas le. Comment dire? On n'a pas le. On n'a pas la fiche du Takatsugi. Mais pour le banc, ça peut être sympa. Hein, si vous le montez bien comme il faut, peut-être qu'il peut être titulaire en vrai. En vrai, il peut être titulaire. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Dans ma team. Un joueur 3 étoiles en défense, ça ferait pas tâche. On va voir ça tout de suite. Hop. Pour l'instant, je pourrais le mettre à la place de, je sais pas, peut-être. Je sais pas. Ou peut-être jouer avec 4 défenseurs. Ça peut être sympa. Ça peut être sympa, faut voir. Faut voir. Donc voilà, les amis, on va pas tergiverser longtemps. Voilà pour les news d'aujourd'hui, je crois du 23 ou 24 octobre 2019 sur Captain Tsubasa 0. J'espère que ça vous a plu. J'espère que si vous droppez, si vous cherchez les Allemands ou les trois de la Chouetsu, vous les dropperez. Mon avis, moi, je vais pas les chercher parce qu'il faut les trois, donc ça va vous coûter très très cher. Je pense que je vais garder mes Dream Ball, mes gemmes pour plus tard, pour des portées plus intéressantes. Voilà pour mon avis, je vous kiffe, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao, ciao!